من المبادرات الرسمية والشعبية ومقاولاتي الحمد لله ناجحة. صحيح أنه الشيء ما كافيش، خصنا نزيدوا، ديروا أكثر، ضحيوا أكثر، خدموا أكثر، هذا كله صحيح، ولكن هناك كثير من الأمور الإيجابية أيضا كالدار. فتحية للجميع ونتمنى للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On assiste aussi à une réussite de notre programme, c'est de notre projet CleanTech. C'est l'occasion d'un grand merci. Remercions aussi des vives, mais remercions à notre partenaire Lonidi, notre partenaire le GEF, nos partenaires, les organisateurs, les organisatrices, les femmes. Et je vous demande d'applaudir fortement pour les femmes qui ont été derrière la réussite de cette deuxième édition du Salon Polytech. Alors le Sénégal est engagé résolument depuis un certain nombre d'années dans une vraie politique de développement durable. Il y a un plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent qui comporte 8 points. Et au sein de ce plan, le développement durable et l'écologie, les problèmes de l'environnement occupent une place très très importante. Et I implement the Global Clean Technology Innovation Program in 9 countries now, but I am excited with the results that we have in Morocco on 3 accounts. We have from Morocco very high quality, game-changing innovations that have the potential to fundamentally change our economies and create opportunities for the youth. Le prix de la catégorie valorisation des déchets est décerné à Mohsin Bouayed et Omar Azmi pour le projet EcoOil de transformation des déchets plastiques recyclables et non recyclables en pétrole écologique avec la minimisation des coûts de production. Félicitations aux lauréats de la catégorie utilisation rationnelle de l'eau, donc le gagnant pour ce prix d'utilisation rationnelle de l'eau est décerné à Selma Rougarani et Lahbib Latrache pour leur projet Otech. Pour cette catégorie est décerné à Maryam Minhaj pour son projet M4 Nature. Le prochain prix de la catégorie énergie renouvelable, pour le remettre le prix, j'invite Monsieur l'ambassadeur du Sénégal à le remettre à notre lauréat. Et donc le prix de la catégorie énergie renouvelable est décerné à Abdelrahman Kriwil pour son projet Faracha System. Et le prix de la catégorie bâtiment vert est décerné à Younes Wazri pour son projet Ecodom. Alors, le prix de la femme entrepreneur est décerné à Myriam Elouefi pour son projet GEMS. Alors, le Grand Prix CleanTech édition, 10e édition 2018, est décerné à Faracha System.